Hénin, vous avez accueilli hier le ministre des Armées françaises. Oui, alors effectivement, je trouve c'est dommage d'ailleurs, car il a dû avoir un empêchement. Je ne l'ai pas vu. Par contre, ils veulent tellement qu'on achète leur Rafale qu'ils m'ont même envoyé une fille pour me séduire. Mais ça ne marche pas avec moi, Simone. On n'est pas au salon de l'auto. Ouais, en fait, la fille, hein, c'était la ministre des Armées, Florence Parly. Ah, oh la boulette. Hier, nous recevions Pim, Pierre-Yves Maillard, pour nous expliquer le principe de la nouvelle taxation des primes maladie du comptant de veau pour la classe moyenne. Et nous avons pas mal de messages, hein, nous disant que c'était pas très très clair. Vous pourriez nous réexpliquer le concept, monsieur Maillard? Mais volontiers, Simone. C'est pourtant simple. Si vous avez un revenu fiscal, parce qu'il faut définir ce qu'est le revenu fiscal et définir ce qu'est la prime. Donc, il faut prendre le revenu fiscal, donc le chiffre 650 de la déclaration d'impôt. On ajoute un 1/15 de la fortune. On fait une franchise de 300 000 francs sur son propre logement. Alors, si vous prenez la prime la plus haute, vous pouvez vous retrouver avec plus de 20% de votre revenu pour la franchise la plus basse, sans parler des complémentaires. C'est autre chose, évidemment. Doris Leuthard, vous avez dû vous asseoir sur les escaliers dans un train parce qu'il n'y avait plus de place. Oui, alors tout d'abord, bonjour, madame Honegger. Oui, mais ça, c'est un scandale. Les CFF, ils devraient avoir honte. Non, mais il n'y a pas assez de place dans ces trains. On est serrés, ils n'étaient pas à l'heure. J'ai vu le prix des billets, mais j'étais catastrophé. En plus, j'ai voulu manger un sandwich, mais ça coûte une blinde. En plus, c'était pas bon. Non, mais moi, je sais pas qui gère ce merdier, mais il faut que je lui parle. C'est vous, madame Leuthard. Pardon? On prend une prime de référence qui variera en fonction des revenus et de l'une des deux zones de prime. Donc, dans la zone des deux, la zone 2, pour les revenus les plus hauts, c'est 360 francs. Et pour la zone 1, 430 francs. Mesdames, messieurs, allô, vous êtes bien sur la helpline de cœur du canton de Vaud. Qui est à l'appareil? Allô, Jean-Marc? Oui. Je suis une personne anonyme qui habite Gland. Je crois que je travaille actuellement avec des extrémistes. Mais qu'est-ce qui vous fait penser que ce sont des personnes dangereuses? Mais parce qu'ils sont plus allemands. Alors déjà, ça fait peur. Mais en plus, ils ont des costumes bizarres. Ils font travailler les enfants. Ils font des choses inqualifiables avec les animaux. Et on sent bien qu'ils sont pas tranquilles. Ils arrêtent pas de changer de ville pour pas qu'on les démasque. Et vous avez leur signalement? Mais oui. Ils sont faciles à trouver, leur nom de code, c'est K-N-I-E. Je sais pas ce que ça veut dire, mais faites vite. Je crois qu'ils ont l'intention de venir prochainement à Lausanne. Mais oui. Et c'est la relation entre la prime de référence, écoutez, concentrez-vous, et le revenu fiscal qui donne le calcul du 12 ou du 10%, c'est tout simple. C'était fantastique, il y avait au moins 40 000 personnes qui sont venues au livre sur lesquels. Alors, il y avait énormément de nouveaux auteurs et des ouvrages incroyables, comme par exemple ce magnifique bouquin qui s'intitule « Un SMS vient d'arriver » de Yannick Butet. Ou encore « John McCain, cet ami » de Donald Trump. Et puis il y a le très beau « Abu Dhabi à Abu Dhabi » de Pierre Maudet. Ou encore « Visiter New York en 5 jours », un magnifique récit de voyage de Stan Wawrinka. Un test de la FRC démontre que les croquettes pour chats peuvent provoquer le cancer chez les chats. C'est la merde. Al, vous vous rendez compte, il y a des composés nocifs dans les croquettes. Ouais, je me disais aussi que je me sentais pas en super forme ces jours-ci. Mais heureusement que nous, on ne mange pas de chat. Ah voilà, j'aurais dû écouter mon coach en nutrition. Il me l'avait dit, hein, de pas manger de viande, mais je peux plus lui parler, il est en prison. Mais c'est qui votre coach? Pierrick Détrard. En fait, Simonetta a pas pu venir ce matin. Ah non? Bah pourquoi? Elle a terriblement mal au crâne. Bah, elle a attrapé la grippe? Non, la juratite. Ben, ça fait une semaine qu'elle potasse le dossier de Moutier, du Jura bernois, des séparatistes, des antiséparatistes. Elle en peut plus de ces jurassiens. Non, mais on pensait que c'était enfin fini avec le vote du peuple pour que Moutier devienne jurassienne. Mais non, ils sont encore pas contents. C'est jamais. Les histoires jurassiennes, c'est comme Top Model, ça finira jamais. Pourquoi la Suisse vend des armes? C'est une bonne question.
On vend des armes depuis toujours. Notre industrie est bien supérieure. Ruag, c'est une histoire d'amour. En Suisse, on a le sens des valeurs. Nos employés, jour après jour, fabriquent des grenades dans une tour. Un peu hirondelle, un peu vautour. Moi, j'habite dans une ville en ruine. Tes grenades, je les ai prises sur la gueule. Tes actionnaires nous assassinent. Vos armes sont emballées dans des linceuls. Tes employés, jour après jour, fabriquent la mort aux alentours. L'hirondelle s'est fait bouffer par le vautour. Tu ne comprends rien à l'économie. Ma famille, ce sont des emplois importants. C'est du vent, c'est l'argent pour la liberté. De faire ton blé. Vous appréciez nos vidéos? Placez-nous en favoris pour ne rater aucun de nos contenus. Et soyez les premiers informés de nos concours, nos vidéos et nos actus. LFM, c'est la radio.